First thing every morning that I do. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes en train de fêter Nouvel An ou pas? Je suis ici en Espagne. On est dans un restaurant chinois. Je vais aller un peu, c'est plus calme. Parce qu'en fait, j'avais pensé à vous et je voulais vous dire quelque chose à ce propos de fêter, indépendamment de comment on se sent, pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas déjà, la loi de l'attraction. Je vous montrerai bien la lune qu'il y a ici. Ah, mais on ne voit pas bien. Elle est trop magnifique, mais on ne voit pas bien. Ouf. Ok, bien. Alors, je risque d'avoir bientôt froid parce que je suis habillée comme ça là. Vous voyez? Et il ne fait pas si chaud que ça. Oups. Et ma vidéo qui disparaît. Tout va bien. Pourquoi c'est comme ça? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est tournée. Ah oui, ça s'est tourné. Désolée. Ok. Alors, donc, je voulais dire ici que si tu fêtes Nouvel An ou si tu ne te sens pas totalement dans cette fête ou totalement dans la joie, peut-être encore dans la tristesse, peut-être que 2019 n'était pas magnifique pour toi et peut-être que ça t'empêche de voir l'avenir en rose ou en joie, avec joie, on va le dire comme ça. Je voudrais te dire de vraiment savoir qu'à l'intérieur de toi, tu as tout. Tu as cette joie. Il suffit de la rallumer. Parce que ce que tu fais quand tu fêtes aujourd'hui, tu fêtes avec joie ce que tu vas laisser partir, ce que tu laisses derrière toi. 2019, c'est passé, c'est fini. Tu as fait de ton mieux. Et tout ce qui t'est arrivé, ça t'est arrivé. Tu peux prendre une leçon de cela. Tu ne l'as peut-être pas demandé, mais on peut toujours, toujours choisir comment on va le vivre, comment on va le surmonter, les leçons qu'on va tirer. Et 2020, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc autant fêter. Autant se mettre dans cette joie, parce que la loi de l'attraction fonctionne comme ça. Imagine-toi, tu vas donner naissance à un bébé. Et tu vas te dire, oh, mais je ne sais pas, la nuit, oui, je m'angoisse de la vie qu'il va avoir, ce bébé. Donc non, 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 quand c'est comme ça, tu fais la fête, tu accueilles. Et ça, c'est comme ça que pour 2020, il faut faire. Donc, va à l'intérieur de toi, pense à quelque chose qui t'a rendu totalement joyeux, totalement heureuse, trouve cette chose, même si ce n'était pas l'année dernière, certainement dans ta vie, il y a quelque chose qui te rend joyeuse. Tu peux aussi te connecter à une personne que tu trouves qui a beaucoup de courage. Connecte-toi à cette personne et de cette manière-là, ça va te donner le courage. Et donc, juste savoir que cette joie est à l'intérieur et que c'est important de la sentir aujourd'hui pour accueillir 2020. De l'accueillir avec cette joie. Danse, mets-toi une musique, pas des musiques tristes, mets-toi des musiques pleines de joie, des musiques pétillantes, et danse. Et sache que toi, tu es en train d'accueillir la nouvelle décennie, et c'est ta manière de le faire. Et fais-le avec joie, parce que ça va te rapporter une année totalement différente. Quand tu vas y penser l'année prochaine, tu vas te dire, oui, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai accueilli cette comme si c'était ma meilleure amie, ou mon amant, ou mon amoureux, ou n'importe, c'est comme ça, tu accueilles, ou mon Dieu, ou tu mets quelque chose dessus, mais accueille. Et ça, c'est 2020 qu'on est en train d'accueillir. Donc 2020, yes, ouvre les bras, ouvre-toi, et tout ce qui va arriver, tu peux l'accueillir, et tu peux savoir que tu as la force de le faire, parce que tu as ça. Et c'est ça que je voulais vous dire ici, sur ma page. Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup de joie pour cette journée, cette soirée, où que vous soyez. Mon fils, il a fêté Nouvel An à 3h parce qu'il est en Australie. Moi, je le fête maintenant, mais peut-être d'autres qui vont voir cette vidéo vont le fêter plus tard. Et faites aujourd'hui, accueille avec beaucoup de joie, mets-toi dans cette joie, tu sois seul ou tu es en groupe, mets-toi juste dans la joie, choisis, tu as le pouvoir comme j'ai le pouvoir. J'étais un peu triste cet après-midi, c'est pour ça que je le dis, cet après-midi j'ai pensé à toutes les choses tristes, je me dis non, ça non, c'est pas comme ça que je veux dire, que je veux accueillir cette nouvelle année, et c'est pour ça que je te souhaite ça aussi, sois dans la joie, danse, fais la fête. Et profite-en, c'est une nouvelle décennie et Dieu sait ce qu'elle va nous amener. Et nos prières sont vers le bonheur et notre pouvoir, il est là aussi. Tu peux te connecter à l'intérieur et si c'est douloureux, sache que quelque part à l'intérieur, il y a la joie.
toujours. Et elle est à toi et à toi seul. Si moi je la possède, toi tu la possèdes jusqu'à ton dernier souffle. C'est pour ça que tu es là. Donc, je te souhaite une fête de nouvelle année magnifique et on se voit en 2020. Un gros bisou.